Ainsi passaient les jours au joli camp de Boulogne. Parfois on dansait à la cantine, on échangeait des bombes avec la flotte anglaise, parfois on fusillait un homme. Mais cela dura peu, à quelque temps de là, la France et l'Angleterre déchirèrent le traité d'Amiens. Certains s'en désolèrent, mais pour l'armée ce fut une bonne chose. Les vainqueurs d'Italie s'ennuyaient à regarder les vagues. La troisième coalition s'offrit à les distraire et les forces autrichiennes marchèrent vers le Rhin. Et celle qui s'appelait désormais la Grande Armée en fit autant. Et les 200 000 hommes du camp de Boulogne abandonnèrent les côtes de la Manche. Aucun d'entre nous ne garda un très bon souvenir de cette rude promenade. Nous marchions 50 km par jour avec le chargement de campagne. Les hommes tombaient dans les fossés. Ni la charge, ni les coups de plat de sabre de nos sergents ne pouvaient les relever. Dans les hauteurs de Saverne, il fallut charger nos éclopés sur des charrettes réquisitionnées. Nous retrouvâmes l'empereur à Strasbourg. Deux jours plus tard, nous passâmes le Rhin. Proclamation de l'empereur à l'ordre du jour. Soldats, la guerre de la troisième coalition est commencée. L'armée autrichienne a passé l'Inn et violé nos traités. Vous avez dû vous porter à la défense de nos frontières et déjà vous avez passé le Rhin. Soldats, vous avez des marches forcées à faire et des privations à endurer. Vous les surmonterez et vous forcerez l'Autrichien à regretter son injuste agression. En 20 jours, la Grande Armée atteint les rives du Danube avec 1000 km d'élan. En une semaine, elle prit 5 villes. Wertingen, Augsbourg, Munich, Memmingen, Etchingen. Et le 19 octobre 1805, le général Mack, encerclé dans Ulm, se rendit avec une armée de 40 000 hommes. Et la marche continua sur Vienne, à raison de 80 km par jour.